amis, c'est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Roblox. Une vidéo pas comme les autres puisque vous l'avez compris, aujourd'hui je vais espionner Drist pour une vidéo. Et vous êtes en train de me dire, mais LEN, pourquoi est-ce que tu vas l'espionner? Alors déjà parce que je trouve ça plutôt marrant, mais c'est surtout puisque ce matin on s'est lancé un pari. Et on a tout simplement parié que celui qui serait le plus fort ce soir avant 20h dans cette carte du coup, qui est un animé Fly Guys, donc animé vous connaissez, voilà tout ce qui est Dragon Ball, tout ce qui est Naruto, tout ça, gagnerait des Robux. Seulement, j'ai pris beaucoup d'avance, on va pas se mentir, puisque regardez déjà un petit peu, je commence pas la map de zéro. J'ai déjà du coup des pets qui sont plutôt forts. On a fait quelques renaissances, on a avancé ensemble, on a commencé la vidéo ensemble, mais il est en train de me rattraper depuis tout à l'heure et je le soupçonne de dépenser justement des Robux. Puisqu'en fait, je vous explique, on a parié un gros nombre de Robux, mais vu qu'il se dit, bon, ben si je dépense par exemple 1000 Robux pour tricher, c'est pas tellement grave, puisqu'au final, ce soir, je vais potentiellement lui en donner encore plus. Donc, du coup, je suis en train de le soupçonner. Donc, je vais continuer de farmer avec vous durant cette vidéo, mais je vais pas non plus, je vais pas l'oublier. Voilà, je vais pas l'oublier, je vais quand même garder un œil sur lui parce que j'ai un petit peu peur de ce qu'il peut faire. Et en plus, cette map, franchement, elle est juste incroyable. J'adore parce qu'il y a plusieurs mondes, il y a le système de renaissance, il y a des passes de combat, des systèmes d'amélioration. Donc là, regardez un petit peu ici. En fait, je peux venir et améliorer tout simplement justement les avantages que je peux avoir. Et franchement, j'aime plutôt bien cette map. J'aime plutôt bien cette map. En plus, c'est les animés et tout ça. Donc c'est vrai que c'est quand même toujours plutôt intéressant. Là d'ailleurs, on va tout de suite acheter un nouvel œuf à 75 millions. Si vous kiffez les gars ce genre de vidéo comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et surtout à mettre votre plus gros pouce bleu pour qu'on fasse plus de vidéos Roblox sur cette chaîne. Hein? Hein? Attends, je vais faire genre que je pars. Quoi? Pourquoi il est à côté du truc VIP? On avait dit qu'on n'avait pas le droit de dépenser un seul euro. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Driss, écrivez tricheur. Admettons, je m'en vais un petit peu, je fais genre je suis plus là. Est-ce qu'il va rentrer dans le truc VIP? J'espère qu'il va pas rentrer dans le truc VIP parce que moi je lui fais confiance de base. J'ai de base, il est pas parti pour voir un tricheur là aujourd'hui. Continue quand même de farmer les gars, bien sûr, hein, on n'oublie pas la compétition. Bon, j'ai pas l'impression pour l'instant qu'il a payé le truc VIP, donc c'est pas grave. Boum boum boum, on y va. Regardez un petit peu la vitesse de malade mental que j'ai. J'arrive à faire déjà plusieurs tours. On va faire une connaissance. Et là vous êtes en train de vous dire, attends mais LEN, t'es fou, t'as fait une connaissance. Mais en fait maintenant j'ai des pets qui sont tellement forts que je vous jure que le fait de faire des renaissance, ça peut être rentable. Ça peut être rentable si j'arrive à faire des renaissances plus rapidement que lui. Je pense que ça peut être pas mal. Puisque là, regarde, la prochaine renaissance, c'est tout simplement à 24 millions. Et là, les 24 millions, je peux les avoir plutôt rapidement. Donc là, c'est parti. On va juste farmer un petit peu au départ. Miam, 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 miam. Qu'est-ce que je vois? Il est dans le VIP! Il est dans le VIP, c'est un tricheur! Drist est un tricheur, les gars, vous l'avez. Quoi? Mais moi, je faisais confiance! Et moi, je faisais confiance, je pensais que c'était mon pote! Vous avez vu comme il triche dès le départ? On a une nouvelle connaissance à faire. C'est parti, les gars, je continue d'assouvir mon amélioration qui est de plus en plus énorme. Ok, clac, 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 clac. Il faut que je continue maintenant de ramasser ça pour remonter ma vitesse le plus vite possible. Parce qu'en fait, regardez, là, il y a les mondes qui sont juste là, les gars, ok? Et là, du coup, quand j'aurai tout simplement 5 renaissances, je vais pouvoir rentrer ici. Quoi, il y a des mondes jusque 200 renaissances. Ah ouais, non mais attends, mais ils ont pas blagué là. On va refaire un petit tour ici pour augmenter notre vitesse. Clac, 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 clac. Je vois même plus Drist, les gars. Je sais même pas où il est sur la map. Attendez, je le vois sur la map là. Vous voyez là le petit alien en bas? On va essayer de voir combien de tours il fait ce gros tricheur là. On va essayer d'observer combien de tours il fait. Ok, moi c'est tranquille là. Je fais déjà plus qu'un tour, les gars. Alors que je viens de faire justement ma renaissance, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ok, on va continuer de ramasser ça un petit peu. Ok, là maintenant c'est le moment de farmer. Là c'est le moment où on va devoir tous farmer. Et c'est là où je veux observer où il va aller. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est ce filou là? Pourquoi je le vois plus? Pourquoi je le vois plus du tout là? Attends. Là il est forcément quelque part là. Là il est forcément quelque part là. Il va essayer de tricher. Là il est juste là. Drist top G. Ok, il est juste là. Mais en fait, non, là pour l'instant il triche pas, les gars. Là il est pas en train de tricher. C'est pour ça en fait. Je l'ai vu dans le truc VIP, mais je sais pas est-ce qu'il l'utilise en fait. Peut-être qu'il l'a juste acheté pour avoir peut-être un skin ou quelque chose comme ça. En vrai, c'est pas impossible, je le connais. Mais regardez qui je revois ici. Mais je le vois, il est dans le poste VIP. Mais je vais l'appeler. Mais je savais qu'il allait tricher. Tout ça pour me voler mes Robux. Je m'en fous, les gars. Attendez, on est d'accord, les Robux, je lui paye pas. C'est un tricheur. Moi, je vais pas payer un tricheur. C'est mort. C'est mort de chez mort. Plus que 20 secondes avant qu'on passe à la fin du round. Et regardez un petit peu le nombre d'argent que je gagne par gun. C'est parti. 76 millions. Regardez le nombre de tours que je fais là. Je fais plus de 15 tours actuellement. Donc là, j'ai plus de 1 milliard maintenant de yens. Donc on va vraiment, vraiment acheter les meilleurs compagnons qui existent justement pour pouvoir tout simplement avoir après les fusions et pouvoir les débloquer en divin. Et là, ça va être méchant. Là, ça va être méchant parce qu'en plus, regardez un petit peu. J'ai le pass de combat qui est juste ici actuellement.
normalement, si je débloque le prochain niveau, je gagne plus de 200 millions de chi. J'en ai actuellement 10 millions. Ça veut dire que je serai, bref, 20 fois plus fort qu'avant. Est-ce que vous imaginez un petit peu? C'est même pas imaginable, les gars. C'est trop abusé. Genre, vraiment, c'est trop abusé. Vous pouvez pas vous en rendre compte. Allez, c'est parti, les œufs à 75 millions. Là, on va en acheter plusieurs. Là, il me faut de la fusion. Là, il me faut de la fusion en masse. C'est parti, on va ouvrir, on va ouvrir, on va ouvrir. Ok, c'est pas grave, même si c'est les œufs les plus basiques. Puisque du coup, si j'en ai 3, je peux fusionner. Et du coup, je peux avoir un divin. Ok, c'est pas grave, même si lui, c'est le plus basique, je crois. Voilà, c'est le commun. Mais c'est pas grave du tout. Parce que au final, après, je vais pouvoir en créer un divin. Et le divin sera toujours meilleur que ceux que j'ai actuellement. Bon, par contre, faudrait pas non plus m'en donner trop des communs. Hein, parce que je vous aime bien. Mais là, j'aimerais bien quand même avoir un petit rare, quelque chose du style. Ok, ça, je crois que c'est. Ça, je crois que c'est pas mal. Ok, ça, c'était le rare. Il me reste encore 700 millions. Donc là, on est encore très, très large. Ok, ça, par contre, c'est vraiment, vraiment naze. Attendez, on va juste prendre ça parce que j'ai quand même toujours mes trucs qui sont augmentés x3. Donc il faudrait en profiter au maximum. Allez, un truc épique. Oh, ok, un truc rare. C'est pas mal. C'est pas mal. Un truc rare, ça reste pas mal. Je crois qu'il me donne un multiplicateur de 300 en divin. Donc c'est vraiment, vraiment huge. Allez, 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 allez. Ok, le rare, on va pouvoir le faire, je crois, aussi en divin. On va pouvoir le faire en divin. Ça va être plutôt pas mal. Ok, allez, c'est parti. Les gars, il est l'heure de nous créer tout ça. Fabriquer. Alors attends, lui on l'enlève. On va mettre lui et lui. Et là maintenant, qu'est-ce que ça donne un petit peu niveau puissance, niveau. Oh mince, on fait 18 tours déjà. Oh le bordel. Bah attendez, mais là c'est n'importe quoi là ce qui va se passer. Est-ce que vous en rendez compte? On gagne plus de 90 millions par tour, les gars. Attendez, c'est pas fini parce que là depuis tout à l'heure, j'ai pas ramassé tout ce qu'il y a par terre en sachant que j'ai le multiplicateur x3 qui va justement venir faire son effet. Oh, ça va être incroyable, ça va être incroyable, ça va être incroyable, ça va être incroyable. Vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Allez, on va acheter un dernier œuf quand même à 75 millions. Lui c'est pas mal hein. Attends, lui c'est pas mal du tout. Lui c'est un rare hein. Lui c'est un rare hein. C'est dommage, j'arrive pas à avoir des épiques depuis tout à l'heure. Mais c'est quand même un rare. Est-ce qu'on peut pas encore en faire un dernier, un rare? Je crois qu'on peut en faire un dernier. Et oui, on a pu en faire un dernier, les gars. Donc on va tout de suite mettre celui-ci. Et donc maintenant là on est au max du max de notre puissance. Là pour l'instant, là je pense que je peux pas faire mieux. Limite là en fait, il faudrait que je tape une petite renaissance, les gars. Il faudrait que je tape une petite renaissance. Parce que le problème c'est que là, regardez, en fait je fais 24 tours et du coup je gagne 120 millions. Mais en fait j'ai plus d'avantage à gagner 120 millions, les gars. Il est l'heure, les gars, de faire une petite renaissance. Parce qu'en fait actuellement j'ai le chi qui est encore multiplié pendant une minute. Donc en fait ça va me faire augmenter super vite. Et regardez en fait l'or qu'il va me falloir. Enfin l'or, bref, t'as capté, les yens là qu'il va me falloir pour passer justement au niveau d'après. Je vais l'obtenir super rapidement, je pense, en fait. Là je fais 3 tours, regardez, là du coup je fais 15 millions. Et ouais, regardez, là en fait c'était ça la strat que j'aurais dû faire avec le chi en x3. C'est qu'en fait j'aurais dû faire juste quelques runs. Et à chaque fois ça me faisait des renaissances gratos pour passer au niveau d'après. Oh, j'aurais vraiment dû faire ça. Là ça coûte combien maintenant une renaissance? C'est 39 millions que j'ai pas encore, que je vais avoir par contre juste après ce run. Là je peux vraiment faire quelques renaissances gratos là, les gars. C'est vraiment super rapide. Et je crois que je peux même passer du coup au niveau d'après. Ça par contre c'est plutôt intéressant. Ah ouais, non mais attends, là du coup on va faire ça. Et là regarde, on va passer au niveau d'après. On va passer au x5, les gars. Enfin on va passer au truc de renaissance x5. Et donc là je pense que je vais vraiment être trop fort en fait. Je vais être beaucoup plus fort que lui. Ça va être incroyable. Ça va être vraiment vraiment incroyable. Puisque là en plus j'ai le chi qui est justement encore augmenté pendant 30 secondes. Donc là il faut vraiment que je farme le plus possible. On va voir, attends, combien je gagne justement ici si je fais 6 tours. Si je fais 6 tours, est-ce que du coup c'est vraiment rentable d'être là ou pas du tout? 60 millions! Mais je peux encore déjà faire une renaissance, mais ça m'a pris 2 secondes! J'ai fait 3 renaissances en 2 secondes, les gars, est-ce que vous en rendez compte? Oh, ah ouais, non mais le chiffre x3, c'est un vrai glitch, hein, c'est un vrai glitch, les gars. Malheureusement, par contre, là il est terminé dans 6 secondes, il est terminé. Et ça va bientôt être là, justement, d'aller voir le tricheur où est-ce qu'il en est. Les gars, en fait, je viens de me rendre compte de quelque chose depuis tout à l'heure, je suis en train d'ouvrir des œufs. En fait, je vous explique, j'ai eu les 700 millions de yens du coup du bonus du pass de combat. Et en fait, si vous voulez, depuis tout à l'heure, je suis en train d'ouvrir des œufs. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que je fais plus de 1000 tours. Regardez, il faut que je vous montre quelque chose. Regardez, je fais plus de 1029 tours par saut. Si ça, c'est pas n'importe quoi, bah c'est vraiment n'importe quoi. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'en fait, on peut avoir des mecs qui sont encore plus hauts du coup que divins. On peut avoir des brillants, on peut avoir des diamants. Et du coup, depuis tout à l'heure, je suis en train de farmer comme un énorme. Ouh, attends, mais là, ça s'est fini en 2 secondes, là. Ça s'est fini en 2 secondes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait farmer des trucs qui étaient encore meilleurs que ce que j'avais depuis le début. Donc, du coup, là, en fait, je fais que d'acheter des œufs à 300 millions pour essayer vraiment d'avoir tous mes œufs qui sont en diamant. En bref, t'as capté dans la rareté la plus rare parce que ça se trouve, il y a même plus rare que diamant. Et du coup, après, je vais encore continuer à taper des renaissances que je vais du coup passer en littéralement 2 petites secondes. Puisque là, une renaissance, elle coûte 40 millions. Et moi, j'ai plus de 230 milliards déjà. Tu sais, n'importe quoi, je prends 75 milliards par. Je peux acheter le nuage magique.
Je peux acheter le nuage magique. Je viens d'acheter le nuage magique. Mais oui, monsieur, je viens d'acheter le nuage magique. J'avais totalement oublié qu'il coûtait 100 milliards. J'ai acheté le nuage magique, les gars, le nuage magique. Mais attendez, le nuage, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait les... Oh, il me fait 2x2. Ah, mais attends, il me fait littéralement 2x2. Oh, oh la dinguerie, les gars. Oh la dinguerie. Non, mais là, Driss, il est absolument pas précis. Là, les gars, il est meilleur que moi. À la fin de cette vidéo, je vous jure, vous pouvez tous vous désabonner de ma chaîne. Mais ça va pas être le cas. Donc abonnez-vous tout de suite parce que on continue de farm, depuis tout à l'heure. La vidéo, elle va faire au moins 20 minutes, les gars. J'espère que vous m'en voulez pas. Mais donc là, c'est vraiment en fait pour essayer maintenant d'avoir le plus de héros possible. Par contre, j'ai vraiment pas eu de chance parce que je vous explique depuis tout à l'heure que je me tape des Shanks, des barbes noires, des Ace et tout. Mais par contre, j'ai eu qu'un seul barbe blanche. Et barbe blanche, j'aimerais vraiment réussir à l'avoir en masse pour pouvoir du coup l'améliorer du coup en diamant divin et tout ça. Mais c'est super compliqué parce qu'il y a que 0,12% de chance. Et c'est vrai que du coup depuis tout à l'heure je me tape des barbes noires, des Shanks. Après ils sont pas mauvais, en soi ils sont pas mauvais. Et surtout on va pouvoir découvrir, attendez, je pense qu'on peut essayer maintenant. Est-ce qu'il y a un niveau au-dessus de diamant? Ok, je pense pas qu'il y a un niveau au-dessus de diamant en fait, les gars. Je pense pas qu'il y a un niveau au-dessus de diamant. Attends, parce que du coup là, et non, parce que là j'ai 3 Ace du coup qui sont en brillant. Oh ok, attends, là maintenant j'ai 2 Ace qui sont en diamant. J'ai 2 Ace en diamant. Donc là si on fait encore un dernier Ace en diamant, là les gars on va pouvoir voir est-ce qu'il y a encore une rareté au-dessus. Donc là c'est quand même pas mal. Attendez, on va essayer maintenant de faire un... Attends, on va essayer de faire un petit tour là juste en 2 secondes pour voir combien on fait de tours. Ok, on fait 1036 tours, c'est pas mal. C'est plutôt basique. Et du coup combien d'argent je vais gagner avec ça? Oh, ça va être une dinguerie. 16 milliards les gars, je gagne 16 milliards. Est-ce que vous en rendez compte un petit peu? C'est parti du coup, on continue d'ouvrir. Et là du coup il me faut, on a dit il me faut des Ace. Ouais, je crois que c'est des Ace qu'il me faut. Donc Barbe Noire, tu dégages. Bon, Barbe Noire, on te prend quand même, t'es pas mauvais et tout ça. Mais moi je préfère Ace là maintenant. Je veux voir est-ce que on peut réussir à passer encore le niveau au-dessus de diamant. Parce que là, un niveau au-dessus de diamant, ça va être une dinguerie. Là ça va être une dinguerie phénoménale. C'est vraiment dommage que c'est payant du coup pour ouvrir les œufs 3x3. Parce que là c'est quand même plutôt loin à faire. Et maintenant je me tape que des Shanks. Tout à l'heure quand j'avais besoin de lui, il venait pas. Et maintenant que j'ai plus besoin de lui, il fait que de venir cette enflure. Ok, un petit Ace, ça on prend encore. C'est parti, on continue. Encore un Ace, c'est plutôt bien. Alors là, attends, qu'est-ce que je peux fusionner? Les... Ok, là il me faudrait potentiellement encore un barbe noire. Ah ouais, non mais là c'est... Là quand même, il m'en faut là. Là si je pouvais seulement ouvrir tous les œufs d'un coup, les gars, je vous jure je le ferais hein. Là c'est vraiment une énorme dinguerie. Je suis en train de me tâter à faire quelque chose. Les gars, je vais faire une énorme connerie, d'accord? Vous allez peut-être m'en vouloir, potentiellement. Mais je pense que... Je vais tout simplement... Attendez. Là, c'est un œuf de merde qu'on va me donner. Là regarde, c'est cet œuf. Il doit être éclaté sa mère, d'accord? Il doit être éclaté sa mère. Quand je vois du... Ouais, x30, d'accord. Les gars, je suis à deux doigts de faire des renaissances. Je suis vraiment à deux doigts de faire des renaissances pour essayer de passer encore au monde d'après. Parce que je crois que Driss n'a toujours pas compris, en fait, que moi, j'étais dans ces mondes-là depuis tout à l'heure. Allô? Eloen? Ouais, Tokar! Ouais, salut, mec! Mec, j'espère que ça se passe bien pour toi. Parce que là, moi, j'ai des héros, ils sont en diamant, hein. Ouais, j'ai des mecs en diamant, j'ai des mecs en or. Et tout, c'est cool. Ah merde, à toi aussi? Ouais. Attends, je t'ai vu faire une dinguerie tout à l'heure. Attends, mais moi je pense... Attends, j'en ai parlé avec les abonnés. Je pense que t'as fait une dinguerie aussi. Comment ça? Alors, j'ai vu dans le VIP en train de courir comme un voleur. C'est toi, j'ai vu taper des renaissances alors qu'on avait dit qu'on en faisait pas. Et du coup t'étais dans un autre monde. Je suis un appant. Mais toi, t'es en train de me dire du coup que t'es resté dans le monde de base? Oh, l'espace, le deuxième. Attends, mais toi, t'es resté dans le monde des nuls là. Bah, jusqu'après, y'a pas longtemps où là, du coup, allez, je suis venu dans le tien. Allez, attends. Est-ce que t'es prêt? On fait un essai pour voir combien tu fais de sauts là ou pas? Combien tu fais de tours? Attends, je vais faire un saut. Ok, dis-moi combien tu fais de tours là. 1028. Ah, 1028, d'accord, ok, c'est bon, t'es prêt? Yeah. J'en fais 1059. Quoi? J'ai gagné! Non! Bon, allez, mec. Non, les mecs, ça va pas du tout là. Ouais, mais t'as triché. Mais t'as pris le VIP. Mais t'es allé dans un autre monde, tu gagnes 4 fois plus vite. Mais oui, mais toi t'as pris le VIP, t'as dépensé des Robux. En fait, j'ai compris ta technique. Tu pensais que les Robux que t'allais gagner grâce à ta victoire, ça allait rembourser les Robux que t'as dépensé aujourd'hui dans le VIP. Non, je voulais les deux abonnés, du coup ils vont tous être déçus, mec. Ah bah ouais, mais là je suis désolé, on va devoir se départager dans un épisode 2 parce que attends, tu t'en es peut-être pas rendu compte, Driss, mais il y a tout simplement plus de 15 mondes ici. Regardez les derniers, faut 200 relaissances. Donc les gars, je vous le dis tout de suite, s'il y a 3000 pouces bleus sur cette vidéo, on fait un épisode 2 où là on aura le droit et aux renaissances et à dépenser des Robux.